Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vidéo couleur, mes vidéos préférées en compagnie de Myriam. Salam, regardez, j'ai le maillot de Paris. Aïe aïe aïe, maillot jaune. Allez, comme c'est qu'on a vu tous vos commentaires et vu qu'aujourd'hui on fait les couleurs, on va essayer de choisir jaune et vert. Mais seulement dans les emballages, attention. Je vais faire une démonstration pour exprimer ta joie. J'ai peur parce que le vert ça me fait penser à haricot vert, épinard. Qui de Myriam ou de Younes va faire le meilleur repas? Ça va être chaud. Mais attendez, laisse-la après la couleur verte, haricot vert, brocoli. Oh, ça va être bizarre. Bon, j'aurais préparé un petit déjeuner, c'est parti. Incroyable ce qu'il m'a préparé, les gars, je suis trop content parce qu'avec la couleur verte, je pensais que j'allais avoir que des trucs bizarres. On a un paquet de Kellogg. Pourquoi t'as mis des fruits, Yacine? Un petit déjeuner plaisir. Bah, des fruits, c'est pour la bonne santé. Ensuite, on a des petits gâteaux petits écoliers, des cookies. Moi, pour ma part, Younes, il m'a mis des gâteaux, les gars, ça c'est les gâteaux moelleux que tu prends après l'école. Il m'a mis grave des. Pourquoi tu m'as mis deux boîtes de miel pop? Ce que t'as dans les oreilles. Oh, regarde, le plus important ici. Oh, on a découvert une nouvelle découverte. Pourquoi tu m'as pas pris ça, Yacine? Parce que t'es vert et elle c'est jaune. Et bien sûr, pour la bonne santé, les bananes. Comment on dit cochon en anglais? Myriam? Attendez, petite blague. Halouf. C'est en arabe, ça. Pig, pig. Pig, c'est gagné. Tu peux manger ce que tu veux. Tu vas choisir quoi pour toi? T'as le droit qu'un article, il a dit. Les miel pops, les miel pops. Miel pops. Les gars, parce qu'il faut toujours commencer avec des miel pops. Vas-y, je vais carrément t'aider, les gars. Miel pops, ça me rappelle mon enfance, même si j'en ai jamais mangé. Par contre, Myriam, t'es habillée en verte. T'as trop la haine, hein. Tu manges pas, tu vas faire le ramadan. Et les gars, ceux qui commencent pas par des Kellogg's le matin, vous êtes bizarres. Hein. Mais. J'avoue, le matin, les gars, ça fait trop plaisir les Kellogg's. J'ai vu la pub avec l'abeille. Est-ce qu'ils sont vraiment bons ou c'est éclaté au sol? Parce que moi, je connais que les. Younes, si tu chantes la pub, t'auras peut-être le droit à quelque chose de pas mal. Miel pop. Non, c'est pas ça. Miel pop. La la la. Trop bon. Ah, c'est la nouvelle pub, mais non, c'est l'ancienne pub. Rappelle, Myriam, t'as le droit à un truc de plus. Oh, goûtez les savanes. Oui, Yacine, un truc de plus. Vraiment, un gâteau de plus. Elle a le droit, elle a le droit, elle a le. Ah, ça se présente sous un 4/4. Ah, c'est trop bien. Calme-toi, c'est un petit déjeuner. Elle va pas faire ce que je pense quand même. Oh là là. Wesh. Vas-y, envoie une autre question, un autre défi. Yacine, là, c'est trop faux, je gagne. Comment on enlève dit... Enlève ta main, attends, enlève ta main. Comment on dit requin en anglais? Myriam. Shark. Mais yes. C'est gagné. Depuis quand tu connais l'anglais? Je dis entre ça et ça. Si je chante la musique Baby Shark, j'ai le droit à deux. Non, 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 arrête. Yacine, là, non, bah non, bah non. Les gars, je me suis mis là-bas parce que Younes, il est vraiment en train de péter un câble. Et les gars, on va tester un combo. On va tester ça plus ça. Vous êtes prêts? C'est vraiment un délit. Tous les gens de la richesse espèce qui sont de ça. Hypocrite, va. Pourquoi tu me dis que tu vas manger là-bas? Les gars, j'ai un défi pour Younes que Muskin, c'est le ramadan. T'arrives à deviner, tu gagnes un truc de ton petit déjeuner. Ok, c'est quoi déjà? C'est quoi comme catégorie? C'est un genre de foot, c'est quoi? Bah, c'est à manger. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est un fast food? Non. Est-ce que c'est un truc qui est bon? Oui. Est-ce que c'est un truc qui est diète? Oui. C'est diète et c'est bon? Oui. Ça existe pas, ça. Est-ce que c'est sucré? Non. C'est salé? Oui. C'est salé, c'est diète, ça vient de la Chine? Oui. Des sushis? Oui. Que je vais prendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai changé, chat. Mec, ça y est, faut que je prenne soin de ma santé. On va prendre une. Je rigole. Mais va là-bas. C'est les meilleurs Kellogg's au monde. Yacine, il m'a respecté. Hey, je vais ouvrir le savane. Des petites muesli. Non, oh c'est pas des muesli, c'est des cruesli. Ok, est-ce qu'il y a moyen, je mets le lait directement dans le sac? Parce que je vais manger tout le paquet, c'est pas grave. Mais non, mais t'es un ouf, toi. Non, mais vraiment, si je mets le lait dedans, ça va pas fuir. Toi, t'es un malade mental, toi. Ok, juste, je vous montre, les gars, regardez ça. C'est bon, t'es content, j'ai mis du lait, vous êtes content? Les gars, je préfère être honnête avec vous. Là, je suis en train de parler avec vous parce que je vous aime bien. Moi, le matin, quand je me lève, faut pas parler avec moi. Si dans la vraie vie, on se rencontre, on prend le petit déjeuner, parlez pas. Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que t'aimes bien quand quelqu'un il prend le petit déjeuner à côté de toi, il fait. Non. Là, on va goûter le combo magique. Bismillah. 10 sur 10. Younes et Myriam, vous avez un nouveau défi. Vous allez devoir prendre vos gâteaux préférés de votre couleur, voir le défendre. Celui qui défend le mieux aura le droit de le manger. Moi, j'ai choisi le petit écolier. C'est un gâteau vraiment incroyable. On l'a vu à la télé, on l'a vu sur l'ordinateur, sur internet. Les gars, le chocolat est bon. Le petit biscuit, il est incroyable. Et quand on le trempe dans le lait, c'est une masterclass. Les donuts, c'est la base. Homer Simpson, il en mange tous les jours, tout le temps. Et les gars, ça, c'est fondant. Tu peux le manger à n'importe quel moment. Jamais ça te calera. Et en plus, tu peux en manger à l'infini. Là, Younes, mais à l'appareil d'Homer Simpson, c'est Myriam qui gagne. N'importe quoi. Homer Simpson, ça nous rappelle. C'est mieux que ça. T'es même pas fourré, frère. Tu l'as fait gagner. Good, c'est même good, pas good. Je trouve que c'est bon, good. C'est des donuts bien secs. Elle a tout mis dans sa bouche. C'est vrai qu'on n'achète pas beaucoup, mais Saint-Michel, ils sont forts en gâteau normalement. En plus, elle, c'est de la marque, toi, c'est de la Souma. Et dis pas que c'est bon parce que ça devrait être sec normalement. C'est ultra bon. On va faire les courses, on va préparer le repas du midi. Et là, je vais péter. Il y a grave du verre, Younes. Non, je savais. Eh, aujourd'hui, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Je vais pas manger de fruits et de légumes ou de trucs. Je vais manger des vrais trucs viands. Moi, je. C'est non. C'est rouge, tu vois. Non, c'est rouge. Non, c'est vert. Non. Regardez les gars, tu vois quoi mal. Pourquoi tu montres ça? Non, mais Myriam, toi, t'as pas compris. Non, toi t'as pas compris, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Il y aura pas de salade et pas de fruits aujourd'hui, t'as compris? À part pas au panier, mais pas ça dans le panier. Non. Extrême glace, tu veux prendre des extrêmes glaces? Mais c'est grave pas bon, c'est de la glace des anciens. Mais prends plutôt des magnums. Non, en vrai, non, prends ça, t'as raison. Et quoi aussi? Pierre Hermé, mais ça c'est un truc de ouf. Par contre, tu choisis une l'autre, hein. Tu manges pas les deux glaces. Pourquoi?
Parce que c'est trop cher, frère. Ça coûte combien ça? 6 euros. Repose. C'est orange, c'est pas jaune ça. Regardez, c'est quoi? Encore des fruits. Tout est contre ça toi. Ça va pas se passer comme ça. On continue, on change. Regardez, ça passe à merveille. Regardez tout ce qui est en jaune. C'est pas grave, monsieur. À cause de toi, j'ai mis un coup physique à quelqu'un. Bon. Désolé, monsieur, désolé. Oh, elle est chez elle. Elle ouvre le frigo. C'est mini pizza. Moi, le magasin, c'est moi qui vais le faire. Les gars, je pense qu'on peut pas faire pire. J'ai trouvé des épinards italiennes ricotta. Et ça, c'est vert. On est bien d'accord. Oui. Ça va partir par là. On commence par là, tranquille. Au moins, c'est pas des légumes. Même s'il y a des épinards, ça devrait être bon. Et les gars, je pouvais trouver des trucs jaunes. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez, c'est jaune. Il y a du jaune. Il y a pas. Commence pas à tricher. Là, c'est la gamme Hell'e. Ah oui, regardez, il y a les gars, une nouvelle glace Nutella. C'est là, je sais pas où on peut la trouver. Ouais, non. Non, mais là, c'est rouge. Hein. Là, je t'explique. Commence pas à tricher. Là, c'est rouge. Oh, il y a du vert ici, Myriam. Regarde. Un peu non. Bah, sinon, moi, je prends ça. Parce que non, c'est bon, c'est bon. Pas de triche. Ça, on triche pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Des queues de porc. Regarde ce qu'il y a, Myriam, dedans. Lis l'étiquette ici. Il y a marqué quoi? Ah. Les gars, je dois mourir, mais il y a que du jaune. Oh, c'est incroyable, les gars. Regardez, elle a trouvé son rayon, frère. Je crois que je vais tester ça, là. Ça, regarde. La fajita. Fajita, respecte les Espagnols, fajita. Ça, c'est au Chili. Chili, t'inquiète, c'est comme du sucre. Ça pique pas du non, tout. Non, je crois que je suis bête. Comment elle connaît? Et là, tu veux te faire des tacos espagnols, italiens. Non, je vais acheter ça, regarde, je vais prendre ça, les tortillas. Ça, c'est pour aller avec les chips, je vous explique. Je crois que c'est ça la bonne sauce, regardez. Sauce cheddar. Oh, sauce cheddar avec tes chips. Oh la D. Les gars, on va faire un combo incroyable. Regardez son rayon vert, les gars. C'est même pas drôle. Le thème, il y a quoi? Des haricots verts? Non, des épinards. Avec ça, tu vas aller aux toilettes, tu vas faire. Et des petits poils là au regret. Oh là là, mais c'est la psychiatrie, le vert. En fait, toi, t'es maligne, tu vas donner les verres, tu peux manger que du gazon. Elle a trop de chance, vraiment, c'est n'importe quoi. On dirait que le magasin, il a tout fait pour toi. Tu vas prendre quoi? Tu prends cette boisson-là? Elle réfléchit, Théma, tout ce qu'elle peut faire, frère. C'est quoi? Non, mais moi, j'aime pas le Lipton. Moi, je suis pas trop Lipton, je te dis tout de suite. Tout ça pour du iced tea. Moi, je vais tester la marque de la Hey, ça m'a l'air bonne. Soda lemon, c'est au citron. C'est Auchan. Oui, c'est Auchan et c'est bien vert, vous avez vu. En vrai, une bonne boisson pour le repas. Attends, mais t'es au courant que là, on parle du repas du midi, frère. Mais je m'en fiche, il y a des Haribo saveur pêche. Ah, ça c'est. Ouais, bon. Moi, je t'aurais plus conseillé les œufs pour les protéines. Ouais, prends ça en vrai, c'est bien jaune. Les gars, regardez, j'ai trouvé quoi? Des pockets. En plus, regardez, il y a marqué quoi ici? Halal, H-A-N-A-L. Les gars, le seul dessert que j'ai trouvé, il est là. Des mini beignets aux pommes. Mais ça, c'est sûr, c'est dégueulasse, Myriam. Laisse-moi un joker, s'il te plaît. Vas-y, j'ai trop petite toche, je te laisse un joker. Tu peux prendre ça, s'il te plaît. Bah, c'est ton joker, ça s'appelle Princesse des îles. C'est une princesse. Ah, mais je commence à comprendre pourquoi t'as pris le jaune, mais tu t'es mis trop bien. Les gars, je vais l'écloser. Regardez, les gars, on a des pockets halal. On a de la glace extrême. On a un tiramisu. Les gars, par contre, j'ai pas compris, on a payé alors qu'il y a marqué offert. Ah ouais, on a payé pour rien. En plus, les gars, si je vous dis même pas le prix, vous allez péter un plomb. Ok, regardez, à des œufs. Oh là là. Bien évidemment. Milka. Milka, ouais. Ça m'intrigue trop, ça, les gars. Au Del Paso, là, avec la sauce cheddar. Attendez, mais regardons, on a des petites pizzas. Ouais, incroyable. Mais la note de 3 sur 10. Franchement, c'est pas mal pour les idées. Quoi? Quelqu'un peut m'aider? Tu peux. Attends, papa, il va me le faire. La sauce cheddar, la première fois de notre vie, on va goûter ça. Masterclass. Ah, ça sent les feuilles de briques de ma grand-mère. Ah ouais? Et tu sais qu'on faire quoi? Faut prendre les chips et les tremper. J'ai 3, je suis bête. Ouais. Ah, regardez, c'est grave stylé. Ah, les chips, elles sont bien faites. Genre, elles sont faites parfaitement. Ouais. Regarde, compare à la boîte. Elles sont faites parfaitement. Ah, oh là 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 là, elle a mis grave de la sauce. Et lance-toi. Oh, le bruit. Jure, j'ai pas senti la sauce. Attendez. Oh, le monde est méchant, là, c'est de la sauce. Attends, moi, je m'imaginais que ce soit une sauce cheddar avec ça, c'est des pochettas bizarres, là. C'est pas du cheddar, ça. Ça a tout sauf le goût du cheddar. Ça a le goût des épices bizarres, c'est... Merci, Younes, m'a proposé des chips piquantes. C'est marqué Indien curry. On va se rafraîchir la gorge avec du Lipton Ice Tea. Et du coup, c'est pas du tout validé. Non. Je pense que celui-là, il doit être excellent, les gars. Vraiment, celui-là, il doit être excellent. Le Lipton au citron, c'est super bon. Ben, les gars, prenez ça en été, je vous jure, c'est incroyable. Maintenant, on va passer à la pochetta. Alors ça, les gars, c'est un nouveau goût qui vient de sortir. Goût bolognaise. Incroyable. Je vais regarder avant moi. Wow. Lance-toi pour la bolognaise. Un bon tacos bolognaise. Aucune surprise. C'est incroyable. C'est un délice. En fait, on sent vraiment. On dirait qu'il y a des pâtes à la bolognaise, mais sans les pâtes. Ah, genre, et la pâte à pizza fait la gif. La pâte à pizza fait un côté moelleux. Pizza, ça c'est bien pour toi. Des mini pizzas pour un mini microbe. Oh, ça gicle. Le fromage, il gicle. Ouais. Atomise ça un cran en plein milieu. Je sais pas si elle va aimer, les mecs. Il y a des épinards. Il y a des épinards. Mais en vrai, c'est bon. Genre, à la base, les épinards, c'est pas bon. Mais genre, c'est vraiment bon. Eh, hey, t'es trop intelligente. T'as pris le jaune, Inès, il a pris le vert. Le vert, c'est que la forêt, les légumes, le jaune, c'est le plaisir. Regardez-moi ça. Attends, tu sais, j'ai goûté ça. C'est pas bon avec ça. Ça, c'est pas bon. Ah, ouais. C'est tout sauf du cheddar. Ça sent Younes. Ça sent.
Ah ouais. Vas-y, goûte les bonbons, ça a l'air incroyable. Ça, en gros, c'est des œufs. C'est des œufs en bonbons, c'est une dinguerie ça. Les bonbons de notre enfance. Oh là 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 là. Est-ce que tu préfères le jaune ou le blanc qu'il y a sur l'œuf? Je préfère le blanc. Le blanc? Bon, je suis team jaune, moi. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes team jaune ou. T'es jaune, t'es pas blanc. Et alors? Ah, bien, vous voyez, je l'ai piégé. Du coup, c'est quoi ton meilleur aliment de tout ça là? Mais j'ai rien goûté encore à part. Oui, mais par rapport à ce que t'as goûté pour l'instant. Non, par rapport à ce que j'ai goûté, c'est les poquetas. Non, on va faire un combo. Le tiramisu, faire le mélange de la mort. Oh non, ça c'est une masterclass. La tablette de chocolat Milka trempée dans le tiramisu. Eh, ce mélange-là, il est criminel. Prends un petit carré, tu trempes bien, généreusement. Oh là 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 là. Vas-y, tu peux goûter. Oui, ça a fait une nouvelle danse tellement c'est bon. Et ça, c'est pas du tiramisu, c'est de la crème pâtissière. Oui, mais en fait. c'est quoi le ressenti? Habituellement, il est croquant. Mais les gars, là, il est fondant. Le chocolat, il fond avec le tiramisu. C'est validé? Oui, c'est validé à 100%. Oh là là, ça a l'air incroyable. La glace, les amis, tu peux découvrir. C'est quel type de glace ça? C'était en 1912 qu'on avait ces glaces-là, Myriam. Le meilleur moment dans ces glaces, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est par le dessous. T'as du chocolat en dessous là. Oh là là, ça fait plaisir, ça, ce chocolat-là. Du coup, je vais te mettre une note sur 10 par rapport à tout ça. Je te mettrai 8,5 parce qu'il y a des choses qui donnent envie. Mais il y a des choses, je pense, t'aurais pu faire un peu mieux. Pourquoi Younes t'es dégoûté? Je me suis fait arnaquer. Elle me dit de prendre le verre. Le verre, c'est que des légumes, des haricots verts, frère. Je vais au magasin. Bon, regarde. T'as quoi? T'as ça. Parce que même comme ça, on va la taper. Fourchette, s'il vous plaît. Merci. Je rigole. Pour la fin, tu vas me dire. Je rigole. Goûter ton gâteau. Je rigole. Non, en plus, c'est moi, j'ai donné le joker, donc je vais goûter. On va commencer par les pâtes aux épinards. Ça me fait penser aux Italiens. Pourquoi tu dis, ah, se trouve, c'est bon. Toi, t'aimes bien les pâtes aux épinards. Il y a du fromage aussi. Non, il y a un peu de sauce. Regardez, il y a un peu de sauce. Il est là. Tu peux pas l'avoir, ça. Et bah, par Allah, que c'est super bon maintenant. T'as du fromage, des épinards, ils ont mixé, tu vois. Ils ont pas fait pâte et que épinards. Ils ont mis une petite sauce crème fraîche. Et du coup, ça rend les choses bien. On a une petite salade. T'es dans un 24 heures et tu manges une salade. En plus, regardez, il a pris quoi? Il a pris noix avec du fromage. Les noix, mais qui mange des noix? Non, mais c'est une blague là ou. Quoi, une salade dans un 24 heures là? C'est une blague? Tu aurais pris quoi en vert? Dis-moi, tu prends quoi en vert? Au moins, j'ai mis un maillot vert. Elle a un maillot blanc, au moins. Et là, c'est bien vert. Regarde, ils ont mis des fromages, des noix, ça peut être sympathique. Sauce au vomi. Quand t'as combien tu la goûtes? Quand t'as 10. 1, 2, 3, 7. Oh! Yes! Fais-toi plaisir. En plus, c'est au vinaigre et ça pique. Vas-y, t'as dit 7. C'est dégueulasse, tu m'as fait manger de l'huile d'olive. Ah, c'est toi, t'as perdu, t'as dit fromage. Salade, mais là. Ah, ils ont mis du fromage de chèvre. Chèvre. Non. Ah, ils ont mis du fromage, ça me dégoûte le fromage de chèvre. On va voir ce que ça donne. Pourquoi t'as dit saumon? Ok, c'est parti. C'est un poisson. Bismillah, il a dit si tu vannes encore. Mais j'ai jamais fait. Fais gaffe, Myriam. C'est même pas une vanne. J'ai envie de mentir, mais c'est pas très bon. Aïe, aïe, aïe. La sauce à l'intérieur, elle me fait penser à une sauce cafard. Et. Le saumon, il est bon, tu vois, la salade, elle est bonne. Il y a des bonnes épices, tu vois, ici, c'est. Par contre, elle respecte nos amis les saumons, là. Elle est la salade. Elle respecte nos amis les saumons qui nagent dans la mer, là. Donna, c'est. Arrêtez. Arrêtez, faites du foot ou faites de la ping-pong, mais arrêtez les sandwichs, c'est pas très très à ce point-là. Mais c'est pas grave, parce que nous avons la boisson. Attends, tu vas pas nous douiller, toi, les haricots verts. Les gras comme des frites, y'a quoi? Ça, je le savais, les frères, je vous la recommande, mon 1 euro, je crois. Auchan, lemon, c'est un petit goût de mojito. En plus, zéro problème, tu grossis pas. Elle est belle. On avait fait un accord, que j'allais goûter. Oui, en fait, je t'explique, Yassine, il n'y avait aucun dessert vert. Myriam m'a laissé un joker, donc je me suis pris cette petite merde. Et on a fait après un accord que j'allais goûter aussi. Il n'y a pas de problème. Et tu penses à quoi, toi? C'est au chocolat blanc, les gars. Quelle merveille. L'heure de manger le dessert. Parce que là, c'est un gâteau, c'est pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas, c'est n'importe quoi. Mais laisse les fruits, tu fais n'importe quoi. N'importe quoi de mettre des fruits dans un gâteau, c'est n'importe quoi. Oh my god, wallah que je mange pas tout le gâteau entier. Wallah que je mange cette part. Pour la note, Yacine, j'attends ta note, Yacine. Les amis, il a eu la couleur verte. Donc en vrai de vrai, je vais être un peu plus sympathique qu'avec Myriam. Myriam, je t'ai mis la note de 8,5 sur 10. Younes, je te mets la note 7,5 sur 10. C'est carré. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as la nouvelle danse, non? Bah allez, c'est pas grave. Allez, viens, on va à l'aquapark, viens, on va à la plage. Regarde, en France, il fait que de pleuvoir. Là, on va vous mettre des images quand on est dans l'Algérie, vous allez craquer. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les gars? Ils sont montés sur une paroi en plein milieu de la mer. C'est trop bien. Eh, vous allez sauter là. Il y a personne dans la mer. Est-ce que ça veut dire que la mer, elle est dangereuse? Bah, je sais pas, les gars, c'est vrai qu'il y a vraiment personne. Ça, c'est des algues, c'est des algues. Et là, on a la marée basse parce que la marée haute, je crois que ça s'est recouvert. Hein. Regardez, les gars, il y a une sorte de. C'est quoi? C'est pas un requin, ça? Est-ce qu'il y a des requins? Est-ce qu'il y a des requins dans la mer en Algérie? Je crois pas parce qu'ils ont peur de se battre avec les passants. Il y a pas de requins, mais il y a des roxites. Eh les gars, j'ai un jeu à vous proposer vu que vous êtes là. Vas-y, je vous pose une question. Il y a pas de requins, mais il y a des roxites. T'as la réponse? Oui, roxy. Vous allez me donner un mot en rapport avec l'Algérie. Chacun à votre tour, s'il y en a un qui bégaye, il saute. Okay. 3, 2, 1. Slebia. Couscous. Riyad Mahrez. Tajine. Mer. Piscine. Alger. Bekrout. Hamoud la gazouze. Ok, c'est bon, vous êtes chaud. Vas-y, je vous laisse à vos occupations. Salam les khayes. Salam. Je vais essayer de faire un ricochet. Est-ce que vous connaissez? Il faut trouver une pierre comme ça. Et en mode, faut la lancer, faut que ça ricoche. On va essayer. J'espère que je vais pas toucher le poisson. 3, 2, 1.
Ah là, fait que un ricochet. Yacine, je suis fatigué, je suis en train de faire les montages depuis tout à l'heure, je suis KO. Bah... Donc là, ce que vous allez faire, vous allez vous débrouiller. Vous allez aller sur Uber Eats, d'accord? Oui. Vous allez prendre le premier fast-food que vous trouvez en jaune ou en vert et vous le commandez et vous le mangez, c'est bon? Ok, 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 ok. Uber Eats, la chaise des patrons, il m'a laissé s'asseoir là. Eh, mais c'est juste pour ta commande, hein. Mais t'as déjà fini la bouteille de limonade? Mais c'était trop bon, Myrem, je te promets, cette boisson, c'est une masterclass. Ah, en fait, il y a du jaune, c'est-à-dire que je peux finir le reste. Si tu veux finir le reste, mais il y a vraiment plus rien. En vrai, il y a grave des trucs, c'est dinguerie. En jaune, on a le cercle pizza, on a des Pittsburgers. Oh les gars, j'aime concocter des pizzas, du Pepsi, les gars, j'aime concocter des chicken wings. Regardez des. Mais Myrem, il nous a pas donné de limite dans la commande. C'est-à-dire qu'on peut même prendre tout Pizza Time. C'est-à-dire que tu prends dans Pizza Time tout ce que t'as envie. Ah oui. Oh, vas-y, bah commande tout ce que tu veux. C'est un miracle. La commande vient d'arriver. Attendez, pourquoi je suis pas habillé derrière vous là? Qu'est-ce que vous faites? What? Qu'est-ce que vous faites? Oh, il est gros. Ça y va les tacos. Qu'est-ce que ça vous... Non, ça va, je suis musclé wow. En vrai. Ma commande, mais touche pas à ma commande. Mais touche pas ma commande, c'est en moi je vais la pizza. Mais c'est moi je vais la faire découvrir. Yes. Po, elle est bien jaune, c'est bien respecté. Là au poulet, pommes de terre, olives avec des oignons. T'es plus énervé du montage du coup? Bah en fait, j'ai abandonné, tu le dis à personne. Les gars, s'il n'y a pas de vidéo qui sort, c'est pas de ma faute, j'en ai marre, j'ai abandonné, je fais une pause. Regarde, elle est en train de se régaler. Là, regarde la tache d'huile ici. Ouais. Les amis, est-ce que vous êtes team piquant ou team sans piquant? Vous savez ce que je faisais, moi? Je mettais du piquant sur deux parts et les autres, je les laissais comme ça. C'est toujours bien le piquant. Oh, Yacine, t'es en train de me battre à la course. Yacine est en train de me battre à la course. Oh là 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 là. On passe notre revanche. Elle est comment la pizza du coup? Elle est incroyable. Le poulet, il est incroyable. On a une part. Tu sais que j'ai jamais goûté un poulet aussi bon, genre dans une pizza. En vrai, je reteste une pizza un jour, j'ai trop envie. Mais attends, mais ça, c'est le sac à Younes, on est d'accord? Non. Pourquoi t'as pris tout ça? T'inquiète. Non, mais Yacine, attends, laisse-moi te dire un truc. Tu nous as dit de prendre un Uber Eats, mais il n'y avait pas de limite, genre. Vous êtes sérieux? Mais what? Les nuggets. C'est bien jaune. Ça, par contre, là, je t'ai pris un petit supplément. Non, là, je suis désolé. Ça, c'est pour Myriam. Je sais pas, c'est quoi. Pizza entière, des nuggets. Avec ça, c'est quoi encore? Wesh. Un tacos avec des frites. Tu vas faire comment pour manger tout ça? J'ai deux estomacs en réserve. Mais par contre, est-ce que ouvre le panini pour voir s'il est jaune? Elle a pris que des fast-food jaunes, mais Myriam, t'es trop fort. Ouais. Ah, c'est un panini, je crois que c'était un tacos. Femme, t'as pris que des trucs jaunes. Ah non, j'ai pris des trucs verts. Bah oui. Doucement, ne va pas le... Waouh. Eh, mais y'a du jambon. Waouh. Et là, tu tapes un croc au milieu. Oh là 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 là. Bismillah. Aïe, les amis. Une pizza, un panini, des frites, elle a pris deux canettes. Mais c'est incroyable. Parce que Myriam a fait sa dégustation juste derrière. Regardez, il y a Yacine qui est en train de faire n'importe quoi sur le toboggan. Vas-y, tu peux manger, Yacine. Je peux, j'ai le droit, Younes, de manger. Oui, bah oui. Yacine va peut-être enfin taper une pizza. Quoi? Mais allez, tape juste un petit croc. J'ai pas mal au ventre. Mais si c'est un petit croc, t'auras pas mal au ventre. J'ai pas le droit, Younes. Younes, t'es vraiment dans le thème, t'as décidé de gagner là en fait. T'as vu? Pull vert, tu reverts. Et livre vert. Mais tu lis quoi? Je suis en train de lire un livre sur le paradis. Et c'est incroyable. À chaque fois, je vous dis, oh Seigneur, fais que tout le monde aille au paradis, toutes les bonnes personnes aillent au paradis. Vous savez, c'est quoi la meilleure chose au paradis? C'est quoi? Les gens du paradis vont pouvoir voir Dieu avec leurs yeux. Je suis en train de lire, ils verront leur Dieu. Donc la meilleure chose au paradis, c'est que on va pouvoir voir notre Seigneur là, on fait la prière, on essaie de bien se comporter avec nos parents. On voit pas Dieu, alors que lui nous voit. Et au paradis, on pourra voir Dieu. Oh Seigneur, fais qu'on aille tous au paradis. Amine. À mon tour, les amis. Myriam, elle a toujours pas fini de manger. Il est lourd. Oh, c'est une altère. Qu'est-ce que t'as bien pu prendre en verre? Je me demande bien. Eh, c'était trop dur, Myriam, de trouver un fast-food en verre. La petite boisson. Ok, c'est validé. Tu vas recopier. Un fast-food vert à ton avis, Yacine? Qu'est-ce que j'aurais pu prendre en fast-food vert? La salade. Très bonne question. La salade César. La première boîte est là. C'est quoi? Normalement, si le fast-food m'a écouté, ils ont mis du vert. Oui, regardez, c'est bien respecté. Et là, que je vous explique, on a des haricots verts avec une escalope fourrée au fromage, au lardon. Aïe, ça va être bon, les amis. Comment? Depuis quand tu trouves les haricots verts bons? Bah, je sais bien les haricots verts, en vrai, j'ai abusé ce midi, bismillah. Là, ils sont bien assaisonnés, il y a de la bonne sauce, je me régale. J'ai jamais vu Younes aimer des haricots verts, pas toi, Yacine? Il a déjà aimé des haricots verts, mais lui, il est bizarre, lui. Et là, les amis... Ah. Attends, mais c'est pas vert. Comme un hamburger. Ne commence pas. Bismillah. C'est de la dinde, c'est pas des lardons. Vous savez, c'est quoi ça? Quand t'achètes un sandwich à la dinde et au fromage, la même chose sauf qu'il n'y a pas le pain. C'est tout seul. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que c'est fondant. C'est comme un pain au chocolat, sauf que c'est en mode salé. PlayStation 5. Hey, c'est grave gros, ils m'ont mis ça dans une boîte. Comment c'est gros comme ça? Quoi ça? Mais j'ai commandé une salade, frère, ils m'ont donné un plat. Vous savez, maintenant je suis reconnu dans toute la France que je suis le roi des gros. Quand je commande une salade, on me met tout ça. Vous avez abusé sur les quantités, les gars. Non, mais c'est le restaurant, frère. Par contre, ça, je suis désolé, c'est à toi. C'est jaune, on est quoi, d'accord, quoi, tu quoi. Dois le manger. C'est jaune, Myriam, si c'est jaune. Pas envie, si c'est pas jaune. C'est jaune, tu dois le mettre jaune. Dans ta bouche, c'est jaune. Tu dois, c'est fait exprès. Mets tout dans ta bouche. Alors, on aime bien le citron, mademoiselle. Ça goûte ça. Mais il a pas le droit, il a pas le droit d'autre couleur.
C'est bizarre qu'ils trouvent ça bon, c'est bizarre. Mais pourquoi c'est bizarre? Vous croyez trop. C'est quoi ça? Un dessert vert, à votre avis, c'est quoi? Ça existe pas. De la gelée verte, toi, sinon ça existe pas. Oh, pas mal. Un gars. Ouais, il a craqué, c'est pas vert. Ils se sont trompés. C'est pas vert, Younes, c'est pas vert. Ils se sont trompés, ils se sont trompés. Non, tu touches pas. Oula, je dois le manger. Mais c'est pas vert, Younes. Voilà, c'est bon, j'ai voulu prendre un dessert, c'est bon, j'ai le droit. Est-ce que tu m'accordes moi aussi un truc d'autre couleur? Non. J'ai pris la couleur verte, déjà, j'ai été gentil. Au moins, je me fais plaisir avec un dessert, les frères. Au moins, je me fais plaisir avec un dessert. Faut que ça aille très vite alors. Ta phrase, ça veut aussi dire que je triche. Faut que ton croc, il aille très vite alors. Quoi, ce dessert de fou furieux? T'as 3 secondes. 1. Eh les gars, je me suis mis trop bien dans cette vidéo. Ah la chouibing. Eh les gars, par contre, on vous demande pas souvent. Mettez des likes, comme ça on est passé 5000 likes. Après, on peut même aller jusqu'à 10 000 et tout. Bon les gars, pour la fin de vidéo, bismillah. Allez, ça va où?